Vous êtes-vous déjà demandé si le contenu de votre assiette avait une incidence, non pas sur la balance, ça c'est évident, mais sur votre morale? Figurez-vous qu'une étude de l'INSERM et de l'Université de Montpellier montre que la malbouffe accroît le risque de dépression. Alors, quelle est la recette idéale pour rester en forme? Réponse avec Mélanie Gomez. Ce que l'on voit dans cette étude, c'est d'abord que l'idéal pour notre santé mentale, c'est plutôt le régime méditerranéen. C'est-à-dire que le fait de manger beaucoup de fruits et légumes, des poissons gras comme le saumon ou le maquereau, de l'huile d'olive et des céréales, mais par contre peu de viande rouge et peu d'alcool, est associé à une diminution de 33% du risque de dépression. A l'inverse, il y aurait aussi des aliments à éviter. Pour diminuer ce risque, ce sont tous les aliments transformés, riches en mauvaises graisses et sucres raffinés, par exemple les gâteaux ou les chips, tous ces aliments qui, si on en abuse, causent de l'inflammation dans notre corps, précise Tasnim Akbar Ali, épidémiologiste à l'INSERM. L'inflammation, elle a un effet direct au niveau cérébral. Donc quand on est en état d'inflammation chronique, on a des substances qu'on appelle des cytokines et elles vont traverser la barrière hémato-encéphalique et elles vont effectivement être impliquées dans des troubles de l'humeur. Alors l'autre piste pour expliquer ce lien entre alimentation et dépression, c'est que les aliments que l'on consomme agiraient directement sur notre flore intestinale. Et aujourd'hui, on sait qu'il y a un lien assez étroit entre ce qui se passe dans nos intestins et dans notre cerveau. Un déséquilibre intestinal pourrait donc jouer un rôle clé dans les troubles dépressifs. Mélanie Gomez.